Salut à tous. Salut à tous. Bon là j'ai lancé direct donc je pense qu'il n'y a personne pour le moment. Mais bon salut quand même. Oh s'il y a quelqu'un, je sais pas. Est-ce que la musique est trop forte? Je pense que ça va. Je pense que ça va. Alors est-ce que tout est bien affiché moi? Ouais, la cam c'est bon. Le chat. Test de chat, c'est bon. Ok, cool. Bon, on est parti. On va. C'est parti assez tranquille aujourd'hui. Un peu plus longue. Un peu plus longue car on a le deuxième tour du championnat de France là ce week-end, qu'on va essayer de jouer un peu plus tranquille. Hop là. Et ça va être mieux quand même. Je vous mets ça. On affiche les derniers coups. On joue un petit Kumoku. Ça rime. Et il joue Kumoku comme ça. Ok. Donc là, directement, je vois les bords les plus intéressants. Ça a l'air d'être le sud et l'est. Selon juste le nombre d'intersections en fait. Oula, je vais avoir du mal à m'habituer. J'ai mis la caméra ici maintenant. Allez, je regardais là tout le temps. Du coup. Je vais aller là. Il est intéressant pour nous deux sports, je vais aller là. Approcher de manière classique. Il pince. Ok, ce bord est intéressant, donc c'est normal, hein, je pense. On va répondre, hein, ce bord, comme on dit, il est intéressant, donc on va venir là. Et là, s'il écrase, bon, on contrepensera. Et s'il coupe, me demande si je veux pas sacrifier 7 et faire la séquence ici, là. Je joue en F15. Il monte en E14. Je fais ma gueule de tigre sur G16. Il joue un coup comme, je sais pas, D13. Et moi, je joue H17. Je sais pas si c'est lent ou pas. Ou alors, je dois jouer. Ou alors je dois jouer la séquence D14. J'ai énormément de mal avec ces séquences, perso. Oh, je veux ça un peu, ça me donne envie. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai droit de jouer plus loin? Je crois que c'est H17. Je crois. Est-ce que j'ai droit d'aller plus loin? Ça semble quand même compliqué. Je dirais les coups en D18, tout ça a l'air plus long si je vais plus loin, que je touche pas la pierre. Ah, je vais solide. Ok. Ouais. Et ouais, du coup, quand on a joué H17, peut-être qu'on a droit d'être un tout petit peu plus gourmand ici. Même s'il vient ici, on écrase du coup. On protège notre faiblesse. Mais il n'aura jamais une extension naturelle. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de jouer un peu plus haut et d'inviter. Au pire, il se fait un groupe faible, quoi, en fait. Donc, ça va. Ici, soit je viens prendre le coin. J'ai combien de coins? On a un chacun. Paf. Pour l'instant, ça va. Il y a la course au coin, je suis pas en retard. Ou alors, je mets une pression par ici. Je sais pas.
On vient ici, c'est quoi déjà? Viens au-dessus. Le problème, c'est que quand je joue en Q8, il répond Toby. Et après, j'ai envie de rejouer par là, parce que ma pierre en Q8, elle est un peu loin de ma force. Donc. Donc c'est pas fou. Je sais pas. Soit je vais en Q7. Soit je prends le coin, mais je suis en goûter. Et goûter, il ferme par ici. Tac, je monte. Il fait Nobi, je fais le Kema. Il fait un beau mur face à une force. Et après, il vient là. Ça semble pas si incroyable. On va venir ici. En fait, je trouve qu'il semble quand même voilà, fort ici. Pas envie qu'il puisse m'approcher de ce côté facilement. Et là, il est plat, en fait, je me dis. Donc ça va. Il est vachement plat. Je sais pas si je dois prendre le coin en R4. Après, il pourra taper des R5 assez facilement, peut-être, ouais. Est-ce que je dois aller directement dedans, par exemple? Il connecte au-dessous. On vient. Il pousse, je prends, tac, tac, tac. On coupe. Et ensuite, c'est le bordel un peu, quoi. Il y aurait d'autres coupes derrière. Après, il faut pas mourir, quoi, dedans. Tac, tac. Non, si, c'est pas mal. Faut à la place de la coupe, je joue Q5. Tout simplement. Oh, s'il est d'accord avec la séquence, déjà. Attends qu'il soit froid. Y a quelqu'un qui nous regarde. Ok. Pouf, 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 la musique, la musique. Ok, donc pas du tout la séquence à laquelle je réfléchissais, de toute manière. C'est intéressant. Parce que maintenant, si je saute et qu'il reconnecte par-dessous, tac, 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 il me coupe. Et ici, et quand je viens là, ça ne marche plus parce qu'il y aurait une gueule de tigre ici en fait avec blanc. Donc je ne peux pas juste sauter comme ça. Ça enlève ma séquence. Salut New, en mode radio, comment ça en mode radio? Bienvenue à toi en tout cas. Tic tic tic. Si je saute, c'est un peu dégueulasse.
Si je prends le coin. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que je l'aurais pas pris direct et cette pierre, elle sert à quoi? Si je viens ici, il va par-dessus. Je coupe. Je fais pas mal de choses en même temps. Quand je regarde le grand, tu as dû jouer 10 coups mini. Ah oui, bon, pas tous. Voilà, je joue assez lentement. Là. Il a utilisé 1 minute 30 et moi, j'ai utilisé 8 minutes. J'essaie de réfléchir un peu plus parce que j'ai le deuxième tour du championnat de France ce week-end et j'essaie d'être un peu plus dans le tempo, on va dire. Alors on va essayer ça. Peut-être que je suis rentré trop dedans dès le début. En même temps, s'y rajouter un coup avec ces deux trucs là, ça se dirait que ça prenait pas mal de valeur. Tout simplement, oui. Après, là, quand il fait le année, j'ai moi-même un année de ce côté. J'ai le scorpion, je peux connecter ici. Je peux couper là. Couper là, je peux aller là. J'ai des options quand même. C'est intéressant parce que là, je peux isoler ces pierres. Je vais isoler ces pierres, tout simplement en fait. Et là, ces trois pierres. Ah, je suis content de la séquence en fait. Et j'ai encore mon Q5 par exemple. Et en plus, ici, il retire ma faiblesse que j'ai en L17. Ah, il y a du gain, il y a du gain. C'était peut-être pas la meilleure séquence, mais au moins, il y a du gain visible, c'est cool. Peut-être que là, il a envie d'aller là. Non, il coupe direct. Pas convaincu de la coupe directe. Tac. Il compte aller là. En fait, ouais. Si je prends, il compte aller là. Si je sors, peut pas descendre, donc il capture. Et moi, je peux faire ça. Atari, tac. Aller là. Ah, j'ai le chichot. J'ai l'impression que ça marche pas son truc du coup, parce que je peux aller en P13. Et s'il fait son truc là en E13, je sors. Je prends pas le pierre, je me laisse pas la séquence où je me fais enfermer. Je sors. Il peut pas aller là parce qu'il y a le pierre ici, donc il capture. Je fais l'atterri là. Il va en N11. Je monte en E9. Et ça menace à la fois de capturer ses 4 pierres, donc il y a des chances qu'il joue en R8 par exemple. Ici, là j'ai encore 3-4 libertés. Sauf que du coup, il y a le chichot. C'est intéressant. J'aurais gagné le coup 37 qui est très intéressant. Ah, il ferme par là du coup. Ah, ça j'avais pas calculé. Ah, c'est intéressant ça. Ah merde, je vais plus pouvoir sortir là si je fais ça. Merde, j'ai fait une connerie. Aïe aïe aïe. Ah, j'aurais dû connecter du coup. J'étais trop gourmand là? Merde, parce que si je sors, bah, il connecte et je perds mes pierres. Si je capture, il vient là. Et je peux plus sortir. Si je fais un atari d'abord, il répond, je capture, mais il descend quand même et je peux plus sortir. Donc je suis mort. Oh, je suis con. J'ai rien. J'ai plus rien qui marche.
Tant pis, on va laisser. Mais j'ai fait une grosse connerie, ouais. Ah, je pensais vraiment qu'il y avait un truc qui passait. Voilà, il peut connecter là. Il me laisse un peu nuki sur l'extérieur. Je suis pas mécontent de ça, mais... Ça fait mal, quand même. Surtout que c'est pas tout à fait connecté, ici. C'est pas foufou. Tac, Pelotari ici, je viens là. Il capture ici, je viens là. Ça fait double atterri. Ouais, ça coûte carrément cher là. Je pensais que je faisais que j'avais bien joué la séquence, mais en fait pas du tout. C'est dommage. Je pensais vraiment avoir mieux fait. On va regarder ça après. On va connecter. Toujours bien de connecter ces pierres. Mais ouais, pas fou fou. Plus le niveau de même temps utilisé, un temps investi, c'est pas incroyable. Ici, il a pas droit de répondre à l'Atari. Il peut pas jouer. Oshi ici. Sinon il se retire une liberté et je réponds juste en R11 et ses pierres sont mortes. Bon, c'est pas très important ça. Après, si je prends le coin, c'est un... Enfin, c'est gros, hein, mais c'est goté du coup. Et il se fait son mur ici, et après il peut même agrandir en jouant avec ses pierres ici, donc je suis pas fan. J'approcherais plus C6 par exemple. Peut-être attaquer ça tout de suite du coup. Et si je peux pas faire ça? Tac, tac, je viens là. Quand il connecte. Qu'est-ce qui peut aller là? Non. Si, il peut. Du coup, on doit d'abord séparer. Parce que sinon, il y a un chichot qui ne marche pas pour moi. D'abord, on coupe. Ok, donc il regagne le chichot. On va mettre un peu de pression sur ses pierres. On va essayer d'attaquer ça assez rapidement. De toute façon, il me faut un gars.
Ok. Ce qu'il y a, c'est que... C'est de reculer. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce groupe de pierres. Si je vais en I13, il pourrait aller en K12, ce serait chiant. J'aurais pas pris. J'aurais pas pris, j'aurais joué K17. C'est où K17? Ok. La question ne me paraissait pas vitale. J'ai l'impression qu'on était mieux pour attaquer son groupe L14. Ok. Après, en fait, quand il sortait, il attaquait aussi mon groupe, du coup. Du coup, c'était plus question de combat de groupe semi avec semi-vivant. Alors que là, je suis vivant, et du coup, j'ai pas besoin de regarder mes arrières en soi. Mais je pense que les deux se valent dans l'argumentation, c'est juste, je pense, deux styles différents. On va jouer dans la forme, hein, en plein milieu de sa forme, de la fleur, du pas d'éléphant. Ouais. Ok. Si je vais ici, il y a là, je vais là, j'ai trois libertés. Il va là. Si je descends, il bloque. Non, c'est pas bon. Ah, c'est pas fou ce que j'ai fait du coup. Sinon, il y a ça, tac, tac, tac. Je fais atterrir d'abord. Puis il bloque là. Sauf que là, j'ai trois libertés. Que je peux essayer d'aller là. Non, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche pour noir. Hein. On va juste faire son déchirer le Kema. Ici, il joue en K12. On fait le Hané. Et s'il fait Hané aussi, on coupe. Il atterrit. Ouais, c'est chaud. Bon, instinctivement, j'ai envie de jouer à l'11. Mais du coup, il fait atterrir ici, je joue là. Et il connecte ici, par exemple. Je coupe. Ou alors il connecte. Bah, c'est. Je suis pas fan. Je suis pas fan de son coup. Hein. Du coup, il connecte ici, je fais là. Non. Compliqué. Salut Goshi, comment tu vas? Alors, si je viens ici, il y a plein de mauvaises formes là pour les deux. Si je viens ici, ouais, quatrième dan, ouais, c'est cool. Ça devient chaud maintenant. Il y a même des personnes qui regardent dans la partie, plein de chinois qui regardent. Si je joue en K10, Atari, assez visible. Et qui vient ici, moi-même Atari. J'ai trois libertés au-dessous. Il monte, je peux venir ici. Il bloque, je fais Atari. Et du coup, quand je descends, je peux pas bloquer parce que je fais Atari, je capture la pierre. Ça a l'air de passer, non? Ça ou ça d'abord, hein, peu importe. Atari.
J'ai pas le chichot, ouais. J'ai failli faire ça pour la forme. Mais bon, on n'a pas le chichot, clairement. Donc on fait ça. Et après, on fait cet angle vil dégueulasse. Ah merde, j'ai cru que ça capturait Pierre. Attends. Wow. Merde. Ah merde, c'est moi qui meurs. J'ai fait une erreur de lecture. Bon ben, j'ai perdu. J'ai fait une erreur de lecture, mince. Aïe aïe aïe. Bon allez. Hop, on abandonne. Aïe 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 aïe. Elle était compliquée, hein. On va aller voir ça. J'ai pas mis de raccourci encore pour ce truc. Hop. Du coup, ça, déjà, je suis pas certain de. Je sais pas si c'est toujours Josie ou pas. Parce que sinon, c'est ça, des trucs comme ça, mais je connais pas du tout les suites. J'imagine ça. Je connais pas du tout. Et pourtant, je l'ai regardé plein de fois, hein, mais j'arrive pas à retenir ces trucs. J'imagine qu'il y a des conneries comme ça, quoi, en fait. Ah non, je suis obligé d'aller par là, en fait. Je sais pas. Bref. Hop. Il faudra que je regarde, par contre. Parce que c'est quand même des trucs qui reviennent souvent. En fait, c'est là que c'est devenu le bordel, c'est j'envahis direct. Alors qu'en soi, pour le moment, il y a quoi? Il y a ah, 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 14 points là. Un peu plus, il y a une vingtaine de points, on va dire, au grand max. Donc c'est pas urgent. Et il peut pas protéger efficacement parce que s'il y a ça, bah, il y a des trucs par là. Et s'il vient là, bon, c'est pas très beau, quoi, c'est. Si, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ici? Je sais pas. Est-ce que j'ai fait ça? Et ça marchait pas très bien mes trucs. Du coup ici là ce que je lisais, je croyais qu'il allait faire ça, du coup il doit capturer. Attends. Ouais, il doit capturer. Et moi je lisais ça en fait. Du coup ça met ça en miaille ces deux petits groupes. Mais en fait, du coup, ça marche pas par rapport à ce qu'il a fait. Et là, c'est moi qui me fais tuer, en fait. Mais peut-être que je dois jouer ça, tout simplement. Ouais. Là, il est obligé de faire ça, mais là, j'ai ça. Ok. Et si il protège d'une manière ou d'une autre, bon, de manière la plus agressive, on va dire. Quand je viens là, est-ce qu'il y a un problème pour moi? Non, ça va.
Sauf que quand il monte là, du coup, je suis obligé de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, je suis obligé de faire cette séquence. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas très beau. C'est pas très beau, c'est pas très beau. C'est même dégueulasse. Donc, ma séquence n'était pas bonne, en fait, de base. Peut-être que lorsqu'on fait ça, quand il vient là, je te capturerai, il vient là. Un truc comme ça, mais si capture. Tac, il joue par là et on vient là. Mince. Mais c'est pas beau non plus. Parce qu'il est, il est stable ici, quasiment. Et il est stable là. Il a juste à capturer ça, c'est Sente, il a deux yeux. Donc ouais, non, je sais pas. À quel moment j'ai fait une bourde ici? Est-ce que je dois connecter en dur là? Il connecte. On vient là. Et... Bah, ici, il peut pas venir. Je vois pas ce qu'il peut faire. Il sait peut-être. Non, il peut pas faire ça parce que là, si. Je sors. Tac. Je viens là. Et il y a ça. En fait, ce que je vois, moi, c'est que ici, le chicheux marche. Aussi bien, je me suis trompé, hein, mais on va le regarder. Désolé pour le bruit. Oh, c'est bon, il marche. Donc, ouais, j'aurais sûrement dû faire ça en fait solide. J'ai tellement le réflexe de voir maintenant, c'est vachement à la mode le scorpion. La forme du scorpion, les deux pierres plus ces deux-là, que j'ai fait. Mais en fait, je suis chez lui, donc vraiment entouré, donc peut-être solide, c'est sympa. Grande chance qu'il protège. On fait ça, et s'il veut vraiment les pierres, on sait que ça ne marche pas. Parce que s'il vient, je gagne le sommeil. Ok, donc en fait, c'est l'erreur, elle se trouve ici. J'étais vraiment en mode, ah, je vais connecter. Ouais, mais. Lors du combat, c'est moins fort. Il suffit que je sois déconnecté ici et c'est fini, quoi. Ou alors, il prend un extérieur très solide. Donc bon, pour du combat comme ça. Solide, ok. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Est-ce qu'il peut faire un double année? Ah, il peut pas s'autoriser ça. Donc si je descends, il est presque obligé d'aller là. Et là, j'ai ça. Ouais, mais si je sors pas, il s'en fout. J'ai dit, là, il peut pas couper. Donc, il doit sortir. Ouais, non, c'est chaotique pour lui. Ok. Donc, c'était pas si mal, la connexion. Ok. Cool. Je retiendrai, ici. Parce que je pense pas que. Je pense pas que ce coup-ci, la Q11, ça soit une erreur. Je pense qu'il y a des trucs à faire grâce à mon Q8. Ouais. Bref. Ensuite, mince. Ici, je me fais tuer, parce que si je capture, il vient là. Ici, je peux plus connecter, vraiment. Ah si, pour l'instant, je peux. Et quand il fait la taille là, on peut plus. Donc on est obligé de sacrifier ses pierres. Et c'est pas très beau. Ça donne vraiment. Bah c'est vraiment bon pour blanc. Quoi. Donc c'est le même problème que tout à l'heure. Donc je me dis tant pis, je prends le Ponoki dehors. Mais il peut encore embêter. Qu'est-ce que j'ai ici? En même temps, s'il fait ça. Si je connecte. Je peux pas m'autoriser ça. Je suis mort. Je peux pas connecter. Ou alors je fais un coup, mais bon. Il est horrible ce coup. Je suis même pas sûr qu'il fasse le coup. Tac. Il vient là. Et si je protège. Si, si, il peut faire ça. Bon, le coup. Le coup, le coup. Mais c'est chiant. J'ai rien à gagner dans ce coup.
Ensuite, ici, il y a pas mal de combats. Je me dis, je vais couper. Niwa, il me disait, à ce moment-là, quand je capture, il me dit de connecter et de laisser ses pierres là. C'est vrai que c'est goûté pour noir de, pour blanc de faire ça. Parce que du coup, je sors. Et s'il tente vraiment d'attaquer durement, là, je peux connecter et j'ai ma pierre en 1, du coup, je suis content. Du coup, je comprends l'idée, ouais. En fait, ouais, je comprends l'idée. Et d'ailleurs, dans la partie, quand je le capture, mince, tac, il n'a pas droit de protéger cette pierre, même si c'est pas intéressant là pour l'instant. Car il se retire une liberté, et quand je connais là, c'est lui qui est mort. Il vient là. Je vais de ce côté, je me dis je sépare ses pierres de ses pierres. Là, s'il répond ailleurs, ça fait très mal quand même. Vraiment, ce bord où il y avait un gros potentiel, même cette pierre, il y a encore de la vie et tout, c'est chiant. Donc il répond. Et là, j'ai vraiment joué à la louche. J'ai joué en une seconde ce coup. Pas très, ouais, pas très malin. Peut-être meilleur à faire. Un peu plus loin, par exemple. Grâce à ces deux pierres, la forme semble pas mal du tout. Direct, s'il sort, il y a ça. S'il connecte, bah, on coupe et on se casse, quoi. Donc ouais, ça semble pas mal. Mince, hop. Il aurait eu quoi d'autre comme option? Parce que s'il sort par là... Bah, c'est compliqué que je pense. Pas mal de combats. Le truc, c'est que ça. À un moment, j'aurai mon E13. Ça connecte. Bon, ici, il faut faire ça. Ouais, c'est par contre, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça enferme. Ici encore, là j'ai joué par rapport aux formes, je me suis dit, oh, je sépare, oh, déchire Kema, mais en fait ça marche pas. Il sort tranquillement, donc... Ici j'ai halluciné, j'ai cru que ici je faisais atterrir et qu'il pouvait plus sortir. Je sais pas ce que c'était. Bon. Ouais, et là c'est fini. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ici? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi les red enveloppes, les enveloppes rouges? Une note prompt, c'est... Je sais pas ce que c'est. Pourquoi je reçois des trucs comme ça? Bref. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bah, c'est seulement que ce coup est mauvais, j'ai l'impression. D'accord, ok. Bon, je m'en fiche un peu, je pense. Parce que moi, j'ai fait ça, mais même en fait, si je fais ça, ben. Il y a plein de trucs, il peut même sortir tout simplement comme ça. Non, c'est compliqué. Je pense que j'ai attaqué de trop proche. Vraiment un truc plus loin. Si je veux vraiment attaquer, même si ça donne lieu, séquence compliquée tout à l'heure, du coup, où ici j'ai un groupe très compliqué. Mais dès que j'ai un peu plus de liberté, je peux revenir là. Mais au pire, il protège, j'aurai trois libertés, super, mais il faut vivre après. Bref. Pour toutes ces raisons. T'avais sûrement raison, Nuwa, à ce moment-là. Est-ce que je peux m'autoriser celui-là? Non, il n'est pas très bon. Donc ça, quoi. C'est un peu écrasé, mais bon. C'est là où j'aimerais bien que cette pierre H17, elle soit en I16. Tout début où j'hésitais. J'hésitais à jouer ça,
Mais je me disais qu'il y avait quand même. Ça laissait pas mal d'adji avec cette paire. Mais du coup, avec ce qu'il y a plus tard dans la partie, voilà. Mais bon, c'est une autre partie. Ouais. Faut vraiment que je regarde par contre ce qui se passe avec ça. Faut que j'étudie la question puisque. Bah, ça revient très souvent, quoi. Donc. Bref, bref, bref. Allez, hop. On ferme celui-ci. Et on va chercher une autre partie. Comment on est, nous, d'ailleurs? Ah, parce que là, on a perdu. Si je perds 16 fois, je descends 3 dan. Si je gagne 12 fois, je passe 5 dan. Ok. Ok, ok. Ah non, c'est pas ça. C'est si je perds 11 fois, je passe... ok. Ça, vous voyez, souvent, il y a une quinzaine d'années, ça, comme forme dans le coin. Celle que j'ai faite, ouais, avant, elle se jouait pas mal. Sans plus serein, en fait, en la faisant, parce qu'elle est plus simple. Forcément. Alors que normalement, j'aime bien le combat, mais... le nombre de fois que je me fais avoir sur des Joziki que je ne connais pas ou que je maîtrise pas assez, je les oublie rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de Joziki là sur... sur Fox, pour regarder vite fait l'autre truc? Ah, je comprends. Je sais pas s'il y a. Non, je vois pas. Sur OGS, il y a, mais... Ah, oh, tu sais pas? Ouais. Dans Go problème, non, je pense pas. Non, non. Non, non, non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, j'en suis. Et ça a trouvé. Hop là. Je suis blanc cette fois-ci. Je vous mets les coordonnées. Ok, direct. Pourquoi pas. On va pousser de ce côté. Ok. Celui-là, je l'ai, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Approcher son coin. Parce que je pense pas que ce soit une bonne chose de faire une extension tout de suite. Je pense même que c'est une mauvaise chose. Ouais, on va empêcher le chimarien, ça semble classique. Ça semble classique. Parce que s'il a son point en Saint-San puis un Chimari, ça peut être chiant. Tape dessus. Pour contrer un peu la force que j'ai avec les trois pierres hauts, 2-6-8. Ici. J'ai envie d'aller en Warikomi, instinctivement, mais c'est pas dit que ça soit bon. C'est ça, un hein, P16 Warikomi, je crois. Oh, cela dit. Tac, tac. J'ai le chicho. Hein. Donc il me ferait sûrement de ce côté. Tac. Et s'il protège là, je viens là. Je joue ici. On fait Atari et on sort en Toby. Après, ça lui donne un sacré mur. De toute manière, je pense qu'à peu près tous les trucs lui donnent un bon mur. Si je viens là, il vient là, je pousse dedans, il prend le coin. C'est ça le problème, c'est qu'il fait un mur et il prend le coin, ça. Donc ça n'a pas l'air cool le N16. Et si je viens en P17 directement, bon, il fait un mur très solide. Wow, on va dedans. On va dedans, on va dedans. On va chercher la merde. Je pense qu'il va faire le P15, normalement.
Parce qu'il a pas le chichot en fait, s'il fait P17. Et quand je monte, j'ai le chichot sur sa pierre 11. Donc c'est chiant. Il doit sortir, il doit aider sa pierre 11, sauf que... Ah ok, bon bah il va quand même, bon, on va voir ça. Parce que là, il aura envie d'aller là. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à la base, sa pierre était tournée vers ça. C'est pour ça que ça me dit lui donner la pierre et prendre l'autre. C'est pas si mal. Bon, c'est équitable, voilà. Mais il y a aussi le proverbe de toujours descendre quand on est atterri sur la troisième ligne. Si je descends et qu'il l'avait absolument, je peux la sacrifier et prendre. Et au moins, il aura pas la capture directe. Ça me laissera un atterri ici, tout ça. Ouais, il vaut mieux descendre et voir ce qu'il veut jouer derrière. C'est sûrement beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression que c'est un atterri go et il a fait les atterris dès le début. Alors, plus simple, c'est Q17, il descend. Q17, il descend et je fais atterri ici, il protège. Non, il capture peut-être. Ah, je sais pas, c'est pas intéressant pour moi. Si je fais atterri ici, il vient là, je continue. C'est pas intéressant. J'avais presque envie de faire atterri directement ici. S'il répond, la séquence est quand même un peu meilleure pour moi après que faire tout de suite. Il prend, je prends, et il peut monter. Si je vais en P18. Faut lire un peu. Je pense que ça passe pas, mais je préfère vérifier parce que si je passe à côté d'un gros truc, je vais le regretter. Non, ça passe pas. Je sais qu'il faut pas donner le dos de tortue normalement, mais ici c'est quasiment gratuit après pour lui de tourner, donc de toute manière il tournera. Autant le faire en vrai. Je pense que là. Pas mal. Par contre, je suis content, hein, je pense. Même s'il prend ces deux pierres qui est ultra solide, c'est pas si mal. On va prendre la pierre. Pas si mal, je suis en face de ma force. C'est pas ce qu'il voulait à la base avec sa pierre en O16. Ah, et du coup, il vient. On dit de pousser vers sa force. Qu'est-ce qui est plus fort? Parce que si je pousse là, comme ça, il vient là. C'est chiant, il y aura pas mal d'adji avec cette pierre. Et si je pousse là, qui vient jusqu'ici. Je suis quand même assez solide. La musique s'est arrêtée. Ok. On va peut-être changer un peu de genre.
Ici, je crois qu'il y a des trucs par là. J'ai vu plusieurs fois dans les vidéos, mais je connais pas bien. Tellement de choses qu'il faut apprendre. Tic, tic, tic. Peut déjà venir là. Ça attaque tout en protégeant moi et Pierre. Maintenant, si je viens en Q8. Ou alors c'est en Q9. Tac, tac. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tac, tac. On va venir là. Alors, la musique, la musique. Musique de City Hunter. Enfin, je dis on change de genre, mais en fait pas du tout du coup. Pas convaincu de mon coup, je pense qu'il y a un truc par là, mais ça doit sûrement pas être 32. Faudrait que je regarde aussi. Ici, je peux écraser en soi un peu, mais je me mets moi-même en année à la tête de Pierre. Oh, c'est pas mal ça, je pense. Ou pas. Non, c'est peut-être pas si fou en fait parce que mes pierres sont déconnectées. Bon, c'est la merde. Je pensais que c'était bien parce que je faisais une force sur l'extérieur. Mais pas du tout en fait. Mince, oh. J'ai cliqué, quoi. Ah, il n'y a pas de reprendre son coup ici, donc. Bon, ouais, la partie s'annonce difficile quand même. Je fais beaucoup d'erreurs de lecture.
le chichot si jamais je pousse ici, tac, et que je prends le chichot là, il tombe sur la pierre noire. Mort ici. Merde. Allez. Aïe aïe aïe, bon, je suis pas bon là aujourd'hui. Hein. Ouf. Ah oui, il est complètement vivant. Ah, il me coupe tout simplement. Et si je peux pas les push, ça va à rien hein, puisque il me capture cette pierre. Ouais. On va essayer un dernier truc, mais bon, oh non, ça crée un double bataille ici. Non, ça marche pas. Bon allez, hop, on a perdu, on a fait de la merde. Hop, alors, on a fait de la merde. Déjà ici, je sais pas. Est-ce que je dois faire ça? Ouais, mais là, ça c'est compliqué. Il va jouer le coup. Quoi. Avec ça, c'est. Si je gagne pas le coup, c'est chaud. Mais en même temps, si je le gagne, c'est bien. Ouais, il faut pas avoir peur d'écho comme ça. Et en même temps, du coup, s'il veut... si lui-même a peur d'écho, il répond. Ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. C'est pas fou. Autant ça revient quasiment au même en fait. C'est même bon pour lui. Après il était à la base dans le coin mais. Et ce qu'on voulait voir, c'était ça. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est, ça ressemble à des trucs qui existent, mais voilà. Si je prends direct, c'est pareil en fait. Hein. C'est même pas, il est même pas obligé de faire ça parce que c'est pas un coup forçant pour lui si je fais R18. Ah c'est bizarre, je... Qu'est-ce que je dois faire ici? C'est mauvais d'aller dedans? Peut-être que je dois tout simplement faire ça et ça. Parce que si sauf ces pierres, j'ai le chichot. Et s'il prend celle-là, ben j'ai. Non. Il faut mieux y aller direct. Ouais. Imaginons que c'est un peu l'inverse de tout à l'heure quoi. Ouais, ça aurait sûrement été ça. Cette séquence. Mince. Il joue ailleurs. Ou alors il se pose là pour diminuer la force de ce truc. Je sais pas. Peut-être un peu petit, peut-être un peu lent. Sûrement vers là. De là. Bref. Hop. Et là, mon coup est sûrement questionnable. Tu.
Ouais, ici c'était une erreur parce qu'en fait ça marche pas. J'ai mal lu. Donc ici je dois sûrement couper. Pour sortir les. Bon, ok. Sortir lors des coups. Et quand il prend. Ou il peut connecter au-dessous, quoi. Encore une fois, ces pierres sont déconnectées. Donc c'était peut-être un peu dangereux ce coup, je sais pas. Ou alors elle est là, mais il y a ça, quoi. Non, c'est pas fou. Peut-être ici, du coup. Ouais, peut-être plutôt ça, je sais pas. Si je choisis ça là cette fois ça marche. Donc, peut-être que c'est pas mal de faire le coup en 3. S'il prend ça je suis assez content. Encore qu'il vive. Bon il vit hein. Et mes pierres sont séparées. Ouais non, c'était peut-être pas très malin du coup d'attaquer tout ça. Peut-être un truc comme ça du coup. Peut-être ça. Ça joue mieux avec ces pierres-là, sûrement. Je sais pas si je dois aller par là. Plus à dire. Tac. Peut-être ça, ouais. Pas facile à dire. Mais c'est. Ouais, je me sentirais plus agréable dans cette position que n'importe quel des autres que j'ai lu avant. Faire un truc un peu plus classique. Non, parce que je suis persuadé d'avoir vu dans des vidéos des trucs comme ça. Je dois mal l'utiliser, tout simplement. Vous allez voir des petites SOG. Même si je monte tout simplement. Ça semble risqué quand même. Parce qu'il n'y a rien que ça. Il connecte en fait. Après je suis content. Je suis pas mécontent ici. Non ça peut être bien ça aussi en fait. Ok ok. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à voir ? Pas vraiment, je pense, hein, si on a fait de la merde. De toute façon, une fois que le groupe a été isolé. Oui, et si on fait un miskick aussi, hop, c'est peut-être mieux. Après, il n'y a pas grand-chose à faire non plus, hein, mais... On va traîner un truc un peu dégueulasse tout le long. La partie aurait été compliquée. Ok. Hop. On va faire une dernière. Hop là. Et je suis blanc. On va jouer un Komoku. Et un Oshi. Souvent je vois des Sanrensen aussi, Sanrensei, sur ce serveur. On va changer de musique. Ouais.
Ok, on joue comme ça. Ok, le Kobayashi. Enfin, ça ressemble en tout cas. Ouais. Du coup, j'aurais peut-être dû approcher là à la place de faire 6, approcher du coup. Prendre le point. Et bien ici. Il y a beaucoup qui jouent R16 direct. Ok, vers là, ouais. S'il vient dans tac 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 tac. Bon, ça peut être très vite chiant. On va rajouter un coup. Ok, on va stabiliser. Est-ce que je fais un Kema ou est-ce que je vais en Q11? S'il me fait ça, je viens de là. Il peut faire attaquer ici, tac, couper. Non, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas si mal. Hop, on peut presque couper. R12, ça a l'air pas si mal. Mais la coupe. Allez, Fighting Spirit. Hop là. Ouf, crevé. Et là, s'il joue en Q13, je peux monter en O12. Donc il va ici, ok. Ah, du coup, je descends également. Faut jouer salaire, retirer une liberté. Il vient là, et moi, je peux jouer ici. Si je monte là, il saute, je suis en retard. Je vais peut-être sauter d'abord. Même s'il pousse, ça va. Le groupe devrait pas trop avoir de problème. Et ici, on va juste détruire de l'intérieur, quoi. Cette pierre a l'air plus sympa que le N13. Ok, du coup il se montre agressif. Non, avant de faire ça, là, il pourrait m'enfermer et dans le semi, je suis pas sûr de gagner. On va juste sortir. Le truc c'est que si on sort comme ça, il force dedans, tac, et comme ça quand il tourne, il protège sa forme et en même temps il a des menaces la mienne. Bon, est-ce que j'ai le droit d'aller là? Et de couper. En plus, il y a des faiblesses ici. Donc peut-être pousser ici, en fait, tout simplement. Vers le centre. Ah, je n'ai plus de batterie. Est-ce qu'il y a mon truc? Ici. Là, c'est le bordel. Ok. Donc là, l'angle plein, il est tentant. Ouais. On
On va continuer à pousser. Ça fait plein de petits groupes. Ici, il y a plein de petits groupes. La règle du pouce-pouce. Ouf, il fait l'année. Ok. À quel moment il faut que je coupe tout ça? Le truc, c'est qu'ici, il monte juste en N9 si je coupe. Est-ce que N9 c'est pas mal pour moi? S'il connecte ici, tac, il fait la tari, je protège. J'ai le guetta ici, ok, même s'il fait de l'autre côté. Donc il fait ici, je protège. Et ensuite il fait la tari sur ma pierre. Il a le chichot au sale pour les... Ah, donc ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Donc sûrement continuer ici. Ouais, d'abord le SA. Après je pourrais peut-être m'autoriser au 15 s'il répond là. Et il vient renforcer sa position. C'est intéressant quand même parce qu'il me force à aller par là, ce qui pourrait améliorer le N9. Ouais. Ouais. Oh, juste reculer. Normalement, il va en M8. Oui, ça a l'air de bien marcher. Bon, ici, il m'a pas répondu. On va répondre ici, tout simplement. Forme parce que s'il fait le pipi ici ça va être très chiant. Ok, donc j'ai un œil là et un œil par là. Ah, c'est pas tuable ce truc. Ouais, je regardais beaucoup cette coupe. Donc il a raison d'y jouer. Ça va devenir intéressant de jouer par là. C'est quand même le dernier coin dispo. Peut-être que j'aurais dû continuer à jouer avec tous les coupes. Donc il veut construire par là. Il y a des coupes, hein, il y a des coupes ici aussi. On sait pas encore, on connaît pas encore exactement le statut de ce groupe, même si normalement ça va aller. On connaît pas le statut. Comment je fais? Il a pas trop de points pour l'instant, donc même si l'on fait ici, c'est pas trop grave, on va attaquer cette pierre. Ça rond de 64.
Il vient là-bas, c'est... Ok. Ici, il peut m'enfermer efficacement, ouais. Est-ce qu'on peut vivre sur place? Ça a l'air chiant, quoi. Menace l'année. On aimerait bien jouer un Boshi en G6. Ok. C'est original de faire des Tenuki comme ça tous les secondes. Voilà, ok, il veut tout ça. Il veut tout ça, c'est pour ça qu'il joue ce coup, c'est pas pour attaquer ça en fait, c'est... Très agressif. On vient ici. Du coup, il se renforce bien quand même. Essayer de s'installer un peu confortablement. Hop. On va venir là. J'aurais dû faire l'atterri ici. Bon, on a encore le temps. Beaucoup de combats dans les parties que j'ai faites aujourd'hui. Donc, ici. C'est pour le chichot, cette pierre. Ok. Bataille là. Ici. S'il vient là, on peut aller là. Si, ok. On va même connecter direct. Et ces pierres-là qui peuvent être attaquées. Un coup comme ça serait bienvenu, je pense. Comme H2. Niveau temps, ça donne quoi? Il me reste 9 minutes 21 et lui 14 minutes 55. Ok. Très rapidement encore. Juste afficher le dernier coup. Il vient là, ok. Si je coupe maintenant... Pas l'air de très bien marcher. On va d'abord connecter ici, menacer de prendre toutes ces pierres. Et là, ça marchera mieux, la coupe. Bon, il aura appris pas mal, mais bon. On a pris ça, on a un mur ici. On a 2 points Mihai. On a possiblement 3 coins.
Est-ce que ça empêche la coupe ici? Si je fais ça, parce que si... Ouais, si je vais là... Il descend, je viens de là. Pousse, je viens de là. Il capture cette pierre, je viens de là. Protège ces pierres. J'ai 3 libertés et lui il en aurait 4 quand même. Donc je ne peux plus couper ici. Bon, cela dit, d'abord qu'il protège là. On va venir ici justement pour développer un peu ça, prendre ces pierres indirectement. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Je sais pas ce qui se passe. Hop. Hop, hop, hop. Allez, toi. Voilà, tranquille. Et il vient ici, ok. On va pousser vers la force. Faudra surveiller ce groupe de pierres. Le statut est pas encore clair. On va juste pousser. Ok. Bah d'abord, stabiliser ce groupe en menaçant de prendre ça. Enfin, c'est plus que menacer, en fait, allez, prends. Parce qu'il peut pas sortir. S'il fait ça, je vais je fais dessus. Ouais, ça prend. Ça prend les pierres. Sinon, j'aurais joué D7, je pense. J'ai l'impression maintenant, faut que je monte à 4 Dan aussi. T'es 2 Dan, c'est ça? Sur Fox? Si je me trompe pas. C'est pas trop loin. Oh bah ça va, t'es pas loin du coup. Il te reste combien de parties pour passer au niveau suivant? Faut quand même défendre le coin. Combien de victoires il te manque? Ah oui, bon, un petit peu, mais bon. Quelques blitz, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'empêche de venir dedans? Il pousse, je vais là, il coupe. Il m'empêche que ça grave la pierre mûre. Ok. Je suis plus proche de redescendre. Ok. Oh, pour l'instant, t'es 3 dan. T'es quoi sur KGS? T'es. Sur KGS, t'es. Premier dan? Un Q?
Oui. Ok, oui, parce que sinon, oui, ça a une sacrée différence quand même de niveau. C'est tentant de venir lui dire t'as qu'un œil. Après, il fait ça. Je vais là. Et il sort en soi. Alors que si je viens là. Il joue là. On descend. Tac. Voilà, tac. Il a deux yeux en fait. Est-ce que j'ai besoin d'être si agressif? Il a combien de points? Il a une soixantaine de points. Combien il a de prisonniers? Ouais, bon, une soixantaine de points. Ouais, il est sûrement en avance. Combien il a de commis? 5,5, je pense. Si je fais ça, il fait juste l'atari ici. Il fait ça, je bloque et il fait ses deux yeux. Donc ça sert à rien. Autant qu'il vive Gauthier. Je prends ces trois pierres, c'est quand même un sacré paquet de points. Si ça me laisse se senter, j'ai des coups comme ça. Il faut que je rattrape. En fait, là, j'ai un petit retard. Et surtout, c'est avec le senté, on peut encore réfléchir au statut de ce truc. La coupe ici. Non. Il faudrait que je protège ça. Ouais, c'est chiant. Ce truc, je peux pas tuer de toute façon. Ce qu'il y a, c'est quand je vais là, il peut rentrer facilement ici. Mais si je vais ici, il est vivant quoi. Du coup, il peut jouer ailleurs et il vient me prendre une partie du coin. Et là, ça s'annonce compliqué. Ce qu'il y a, c'est que même en jouant ça, je lui donne presque autant ici. C'est chaud. Peut-être qu'avec ça, tac, on joue là, on joue là. Peut-être des petits trucs sur les formes. En vrai, il joue un D17, voire même un Sansan. C'est compliqué. J'avais hésité aussi à pincer en H17, du coup. Compliqué. Ok, bon, il veut vivre, il veut être sûr. Je comprends. Écoute, j'hésite. Si je joue ça, il descend, je monte et il monte et il fait quand même pas mal de points ici. Alors que là, je peux poser des problèmes, les questions de ce groupe, par exemple. Sans, j'ai l'impression d'être un petit peu en retard, donc faut poser des questions.
Ouais. C'est musique. Ok. Atari. Il veut tout capturer. Oh merde, mais oui, mais ça c'est pas vivant. Oh là là, je suis un peu à la masse. On vient dans ça. Attention à ce groupe quand même. Mais par contre, je pense que j'ai fait des bêtises, hein. Je pense que j'aurais pu mieux faire ici. Je suis pas fan de ce qu'il fait. Atari. Ouais, il faut aller là. Ouais, mais capture ça. Ah, c'est compliqué. Sauf qu'ici, je peux pas capturer tant que j'ai pas protégé là. Sauf qu'une fois que j'ai capturé ici, il fait L6. Je capture, il met Atari sur tout ça. Ouais, bon, il le prend. Ok, bon, y'a rien de toute façon. Ouais, bon, c'est perdu, hein. Bon, bah, on abandonne. Parce que là, je perds ça. Sans avoir pris de points vraiment. En fait, j'ai rien fait. Avec le coup ici, j'ai rien accompli. Ouais, j'ai rien accompli de spécial en fait avec ce coup. Juste sorti ce truc et que je pensais sorti, mais en fait, j'ai pas regardé mon groupe faible. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai combien de points? Ouais, pas du tout assez. Bon, allez, on abandonne. Bon, c'était la dernière, je pense. Hop. Ah, j'ai fait le con, hein, parce que ici, je suis mort, en fait. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas été très vigilant. Bon, tant pis, tant pis. Hop. Alors. Ouais, ici, est-ce que je dois. C'est un peu comme si c'était le Kobayashi, quoi. Où il y a ça et on dit de venir là directement. Donc peut-être que je dois venir là directement, je sais pas. Dans la même idée. Oh non, en même temps non. Par contre, ce qu'il a fait, c'est bizarre. Quand on fait l'année là, c'est pour faire le double année tous les jours. Et je pense que j'ai envie de rajouter un coup direct, hein, vu comment c'est noir dans la zone. Et là, il continue, et là, il fait l'année. Bon, je savais qu'il y avait une faiblesse plus tard, mais j'en ai jamais profité. J'en ai jamais profité, c'est dommage. S'il fait ça. Bon. Tac. Ouais, j'aurais peut-être pas dû me créer de groupe du coup. Faire ça, peut-être. Mince. Parce que s'il fait ça, il peut pas vraiment descendre. Enfin, il peut pas descendre en fait. Tac. Salut Auréade. Ouais, c'est moi qui étais très, très en avance aussi en fait. Déjà lundi, j'ai pas streamé. Et là, j'ai commencé à 13h30 ce truc-là. 13h30, 14h. 14h peut-être plutôt.
Je suis très en avance, mais là je vais changer, je vais essayer de trouver des horaires plus appropriés. Partir la semaine prochaine ou celle d'après. Je vais voir quand est-ce que je stream. Je sais pas du tout. Je vais m'adapter un peu à l'été, on va dire, enfin au début d'été. Ouais, même s'il faisait ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Il aura jamais le temps et je capture. Ouais. Donc, ça doit être pas mal. Sinon, il y a ça, mais bon, là, je suis trop content. Face à son mur. Quelque chose du genre, j'imagine, du coup. Et je le trouve un peu surconcentré, en fait. Il fait des points, hein, mais... Bon, peut-être non, ça va, en fait. La coupe, c'est peut-être pas si mal en fait. Ah, c'est seulement que. Je dois peut-être le laisser prendre cette pierre en fait, tout simplement. Je m'en fiche de cette pierre. Après, quand il vient dedans. Ouais, ça peut quand même être embêtant. Il y a quand même des coupes gênantes. Du coup, Atari direct. Il y a quand même des trucs gênants, il y a des coups et tout. C'est pas facile. C'est un peu bête peut-être de sacrifier ça. Enfin, ça fait peut-être gros. Ou alors je résiste ici. Mais là, c'est encore plus dur pour le groupe de pierre. Peut-être un truc comme ça. L'Atari, on dit que c'est jamais bon, mais... Là, ça peut être sympathique, parce qu'il y a des grandes chances qu'il réponde à celui-là. On connecte, et... Je n'ai pas vu le message. Je vais léger à partir de P12 pour le sacrifier et détruire son potentiel. P12... Ah oui, mais il n'y a pas les coordonnées. Ah si, il y a les coordonnées. Ouais, sinon, oui. Mais là, en vrai, je me demande si ça, il n'y a pas quelque chose. Parce que maintenant, c'est un peu plus léger. Ce matin, ouais. Ah, je suis facile aussi, là, je t'avoue. Je peux faire ça d'abord. Et en vrai, on peut faire un double atari. Enfin, un double année. Non, mais elle était bien, Goshi. Parce que là, s'il fait ça, ben, il a pas le temps, mince. Il a pas le temps. Donc, il peut fuir comme ça, hein, mais... Mais c'est chiant pour lui, quoi. Peut-être ça. Et... Bon, il faudra chercher la vie pour blanc, quand même. Mais c'est quand même agréable comme forme, là, face à son mur. J'aurais pas été mécontent. Et même en fait, je suis pas sûr qu'il sorte comme ça. J'ai pas des trucs avec ça d'ailleurs. Non, c'est pas fou. Faudrait d'abord avoir des pierres par là. Et là, s'il a envie de m'empêcher de sortir, là, il y a des trucs là, je crois. Parce que maintenant... Ouais, je vois pas trop ce qu'il peut faire là.
On a les pierres, en fait. Donc 17 devient bien quand il y a 13 et 15, en fait. Sauf que là, s'il veut vraiment m'empêcher de partir, voilà. Parce que sinon, il y a ça, mais je sors, mais je fais pas que sortir. Je sors en attaquant ses pierres, en fait. Donc ça va. Ouais, sûrement cette séquence, un truc genre. S'il fait Atari, puis Atari. Truc, c'est que ça devient douloureux aussi. Attends, est-ce qu'il y a un truc là? Non, il a pas encore le temps. Ouais, non, c'est peut-être pas fou mon truc du coup, parce que. S'il pousse plusieurs fois, là, il pourra faire ça. Après, je. Ouais. Bref, c'est compliqué. Mais peut-être que cette Atari était sympa. Tac, tac, tac. Et ça, quoi. Ok. Ouais, les séquences que je connais un peu plus sur ça, c'est... truc où on pousse vraiment vers la force, tac, tac. Et on essaye d'alourdir avec ça, par exemple, quoi. Ça. Où la coupe ne marche pas, je crois. Parce qu'il y a ça. Enfin, on se retrouve avec un truc de pierre un peu immonde dedans. Oula, la musique. Y a un peu de tout, donc c'est le bordel. Celle-là, elle est bien. Pouf, pouf, pouf. Ici, je me demande si je peux pas couper tout de suite. On a le chichot, hein. Ouais, on a le chichot. Hein. Alors que je sais pas pourquoi je vais pas couper. Il fait ça, certes, mais... Rien qu'en faisant ça. Non, c'est pas où. Non, peut-être que ouais, c'est... Pas besoin. C'était sur ça que je disais que j'avais pas le chichou. Là, j'ai pas le chichou. Dommage, parce que ça aurait été bien sympa. Comme séquence. Parce que du coup, il doit fuir, il aurait dû fuir et... les trucs, quoi. Ouais, donc là, ici, vraiment, le groupe faible, ça fait mal, quoi. Surtout que je dois penser à la vie de ça. Ouais, très douloureux, en fait, comme début de partie. Ici, j'hésitais à aller de l'autre côté. Non, il coupe sûrement. Non, il peut pas faire. Oh, j'avais lu ça et ça. Et je me disais, non, c'est pas bien. Ah, si, c'est très bien. Même s'il fait ça, je capture la pierre. Ah, ma lecture aujourd'hui, elle est pas folle. Oui, je regardais que de ce côté, je regarde même pas ça. Ok, on joue au feeling. Ouais, en fait, c'était bien, quoi. Donc, la coupe, ouais. Ok. C'est pas la partie. À chaque fois, il faut appuyer sur stop pour venir à la partie. Ici, je m'appuie un peu. Mais c'est peut-être pas très. Peut-être que je dois juste connecter. Mais en même temps, c'est un peu lent et du coup, il saute. Lent, c'est plus trop quoi faire. Pas facile. Ouais, c'est pour ça que j'aurais dû aller là. Faire mes pierres. Là, je dis, allez, je veux vivre dedans. C'est optimiste quand même. Enfin, ça s'est passé, hein, mais. En vrai. J'ai eu un peu de chance. Hein, qu'ici, à ce moment-là, il fait ça. Ah, c'est chiant, quoi. Ça menace même le coup en K5, tout ça. Hop.
ça, est-ce que j'aurais dû prendre tout simplement les pierres? C'est possible. Même ici, aussi bien, j'aurais dû couper. Ça menace de prendre celle-là. Protège, je dois aller là. Donc il peut pas pousser de ce côté. Donc il pousse là. Je viens là, il pousse. Je pense qu'on capture, sortir de la G, même s'il aurait pour venir ici, ça retire pas mal de la G. Moi, c'est pas si mal. Au moins, c'est clair, les vieillards sont vivantes et tout, il n'y aura plus besoin de regarder. Je pense qu'on est pas si mal dans la partie. Ouais, on est bien. Ici, il n'a pas de coup très efficace pour tout ça, c'est chiant. Hop. Ensuite, bon, c'est la fin de partie, hein. Je sais pas s'il y a grand chose. Bah, si, 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 si. À la fin, c'était compliqué tout ça. Ah, c'était. Donc l'invasion n'était pas possible encore à cause de tout ça. J'ai jamais fini de m'occuper de ce groupe. En fait, quand je fais le J10, ok, c'est cool pour le chichot, tout ça ici. Mais... Sortir le truc de si noir on vient là, j'ai des menaces quand même, les coupes, tout ça. Là, je l'ai plus après. Donc, je dois sûrement aller là. Ou là, quelque chose, quoi. Peut-être que je dois tout simplement faire ça aussi. Et je sors, et voilà, quoi. Et après, la fin de partie est assez calme, j'imagine. On commence sur du gros yossé quasiment quoi. Je me compte en retard, mais je suis pas en retard en fait. Aïe aïe aïe. J'ai surestimé ses points. Ok. Bon, c'était pas mon jour. Mais c'était marrant quand même. C'était sympa. C'était sympa. J'espère que je jouerai mieux ce week-end. On verra. Il y en a qui ont un deuxième tour du championnat de France? Ah bah non, mais c'est que la Ligue de Gold West là. Il y en a qui seront à Rennes ce week-end? Au cas où. Même s'il n'y a pas de chance, mais. Je crois pas que j'ai beaucoup de Bretons dans le coin. Hop. On retourne ici. Hop là. Faut que je fasse attention. Ouais, 9 défaites et ça passe 3 dames. Ouais. Avant cette journée, on était à 2 victoires, 1 défaite en tant que 4 dames. Maintenant, 2 victoires, 4 défaites. C'est con. Et bon. Donc on retient que ouais, ils sont quand même solides ceux quand on fait des parties un peu plus longues. Ils sont solides et en plus j'ai fait des grosses erreurs. Donc c'était compliqué. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas si vous êtes encore là, Niwa, Gauchi, Auréade. Je vous dis une bonne après-midi. Il fait super beau si vous sortez. Et à lundi prochain, je pense. À voir. Je suis toujours. C'est flippant. Ben, bonne fin de journée. J'ai envie de dire bonne soirée, mais en fait, non, c'est. Ouais, bah oui, bonne après-midi. Ah, tu te couches, t'es un couche-tard, toi. Merci, Auréade. Ouais, je pense que je vais sortir un peu là. Il fait bon, il fait chaud. Donc, ça va être sympa. Allez, à lundi soir. Salut. Voilà.